Vous qui regardez cette vidéo, prenez garde, le mois de septembre va être riche en tentations, et on commence fort avec Kinfire Chronicles. Il s'agit du premier jeu du studio Incredible Dream, qui n'est rien d'autre que la mise en commun de certains des plus grands talents de notre industrie. Sa fondatrice, Jen Chung Hoffacker, ayant quitté Riot après avoir produit la série Arcane, a invité Kevin Wilson, l'homme derrière Descent ou Horror Arkham entre autres, Kate Redesuk, à l'œuvre sur les jeux vidéo The Witcher et Cyberpunk, ainsi qu'une poignée d'autres sommités afin de réaliser le jeu de plateau de ses rêves. Alors bien sûr, vous pouvez vous donner bonne conscience en vous disant que cette vidéo est sponsorisée et que je ne suis peut-être pas complètement digne de confiance, mais je ne suis pas certain que cet argument vous aide à résister bien longtemps. Kinfire Chronicles, c'est un RPG narratif coopératif pour 1 à 4 joueurs. Il vous propose d'incarner l'un des 6 héros désignés pour affronter la malédiction qui s'est abattue sur un monde déjà ravagé par la guerre. En effet, alors qu'elle n'était plus qu'une lointaine légende, une mystérieuse brume engloutissant tout sur son passage a subitement refait son apparition. Regroupés dans la seule ville disposant d'une flamme permettant de repousser ce brouillard, nos héros auront la délicate mission de reconquérir un monde livré aux monstres et aux fantômes avant de le rebâtir. Stretch goals mis à part, le titre propose 15 quêtes d'environ 1 heure, une vingtaine d'environnements et plus de 100 ennemis divers et variés. Concrètement, on est à cheval entre le boss rush, le deck building et le jeu de rôle, avec certaines particularités qui rendent le titre immédiatement intrigant. En premier lieu, le format dans lequel l'aventure se déroule est original. Au cœur du jeu se trouve un atlas dont vous parcourrez les pages au fil de vos voyages et de vos découvertes. Cet aspect, assez peu exploité dans le genre, fait immédiatement penser aux œuvres de Ryan LeCat ou de Scott Helms. Notable également, le jeu est dit évolutif dans le sens qu'il se complexifie et ajoute des règles et du matériel avec le temps. Cela a l'avantage de pouvoir commencer à jouer quasiment dès l'ouverture de la boîte, tout en préservant une sensation de nouveauté longtemps après avoir terminé les premiers chapitres. Enfin, il est impossible de ne pas mentionner le clin d'œil au backbuilding, utilisé ici d'une façon étonnante. C'est en piochant des jetons dans un sac que vous allez déterminer l'ordre d'un tour. Avant d'aller plus loin dans l'explication de ces intrigantes mécaniques, étudions les bases du gameplay de Kinfire Chronicles. Dans l'optique de vous mettre rapidement en selle, le titre va vous demander peu de préparation. Après avoir ouvert la boîte d'introduction, vous serez amené à choisir un personnage, à déployer le plateau de jeu et à regrouper quelques jetons et marqueurs. Notez que le plateau, comme d'autres éléments du jeu, a déjà subi quelques modifications depuis l'impression du prototype et que la page de la campagne sera à cet égard bien plus fidèle que certaines de mes photos. Offrant un mélange de races, de personnalités et d'origines différentes, Kinfire Chronicles possède un casting coloré et attachant, malgré le fait que les classes proposées, en termes de gameplay pur, soient assez standards, du tank à l'assassin en passant par l'archer. Le choix de votre héros n'est pas anodin pour autant, car si la plupart d'entre eux ont une bonne synergie, il ne vous sera plus possible d'en changer avant la fin de votre aventure. Chaque joueur se verra doté d'un plateau personnage et d'un deck de cartes. Ce plateau assez élémentaire rappelle votre pouvoir passif, votre affinité, nous y reviendrons très vite, vos points de vie et d'armure ainsi que les actions à votre disposition à chaque tour. Chaque deck compte deux types de cartes différentes, les actions que vous utiliserez à chaque tour et les boosts que vous ne pourrez jouer que pendant le tour de vos alliés afin d'améliorer leurs propres actions. Toutes ces cartes sont regroupées par affinité, les vertes pour l'agilité, les rouges pour la force et les bleus pour la puissance, avec l'ajout de cartes blanches, joker, qui peuvent prendre la couleur de votre choix. Cet élément est décisif dans la formation de votre équipe, car une carte jouée par un allié ne peut être boostée, améliorée, qu'avec une carte de la même couleur. Il faut donc prendre en compte à la fois la cohésion de votre équipe en termes de rôle, mais aussi la fréquence à laquelle vous aurez la possibilité de renforcer les actions de vos partenaires, paramètre essentiel à la victoire. Chaque héros possède un mélange de cartes génériques et de cartes qui lui sont propres. Des balises permanentes aux boules de feu infligeant des dégâts massifs à tout le monde, y compris vos alliés, des attaques à distance aux frappes au corps à corps, le spectre est assez large et vous aurez rapidement l'occasion de compléter votre paquet de départ afin de personnaliser votre expérience. Après une courte introduction et sans beaucoup plus de cérémonie, le jeu vous envoie à la rencontre de votre premier ennemi. Mais au lieu de vous raconter le déroulement du tutoriel de ce Kinfire Chronicles, j'ai choisi de vous expliquer ce à quoi va ressembler votre expérience de jeu après quelques heures. Tout commence par l'ouverture de votre enveloppe de quête.
Chacune d'entre elles renferme l'ensemble des règles particulières et du matériel dont vous aurez besoin pour votre session, à savoir des cartes, des stand-ins, des plateaux et d'éventuels éléments de décor. Après avoir lu l'introduction de votre chapitre, vous serez invité à révéler la première carte du paquet narratif qui pourrait s'apparenter à ce que propose Marvel Champions ou Horror à Arkham JCE dans une version un peu plus étoffée. Vous suivrez ainsi l'histoire de votre groupe et serez amené à faire des choix qui orienteront la façon dont se déroulera l'inévitable combat à venir. Si ce système de cartes change des livres d'aventure auxquels nous sommes habitués et permet un certain gain de place, il demande néanmoins un peu plus de manipulation au vu du peu de texte que peut contenir chacune d'entre elles. Cette phase a pour but de vous faire vivre la quête d'un point de vue presque rôliste, grâce à une série de choix et d'embranchements qui sont parfois dépendants des membres de votre équipe. Il va arriver qu'une des options offertes ne soit disponible que pour certains héros, ou même que l'on vous indique ce que préférerait faire votre personnage. Si le groupe décide de suivre votre intuition, vous gagnerez un jeton dont l'utilité vous sera révélée plus tard. Sans révolutionner le jeu narratif ni être particulièrement profonde, ces scénettes d'introduction sont un bon moyen de vous plonger dans le monde de Kinfire Chronicles et de renforcer votre esprit d'équipe. Ce travail d'immersion est d'ailleurs présent sur l'intégralité de vos cartes actions et des pouvoirs de vos adversaires, qui contiennent tous un petit texte d'illustration afin qu'à tout moment vous puissiez vivre et raconter votre aventure comme si vous y étiez. Dans son ensemble, et cela va encore se vérifier par la suite, le jeu a été conçu pour être accessible et simple à comprendre, mais surtout pour être vécu comme une expérience de groupe, une aventure entre amis, une machine à se raconter des histoires. Viendra rapidement le moment où vous allez devoir affronter un ou des ennemis. Selon vos choix et vos succès à différents tests durant la partie narrative, une carte de mise en place vous sera révélée, indiquant les positions possibles de vos héros ainsi que l'emplacement de départ des adversaires. S'en suivra alors une bataille endiablée dont le rythme particulièrement unique fait le charme du jeu. C'est en piochant un jeton dans un sac que vous déterminerez qui jouera le tour suivant. Ce sac contient 12 jetons ennemis génériques, ce qui permet de ne pas avoir à faire le tri entre les parties, et 12 jetons à l'effigie des joueurs. Il renferme également des jetons spéciaux, les sombres déclenchant une attaque ennemie, les cœurs vous permettant de choisir librement qui va jouer. Quand un certain nombre de ces jetons spéciaux sont tirés, on remet tous les jetons dans le sac, rendant les tirages et l'ordre des tours particulièrement imprévisibles. Ce système a l'avantage de garder tous les joueurs investis pendant toute la durée de la partie, car vous ne saurez jamais quand votre tour viendra, et il vous faudra à tout moment être prêt à réagir. Cela est renforcé par la présence des cartes boost, utilisable uniquement quand ce n'est pas votre tour et permettant de compléter une action alliée avec un bonus de dégâts, une pioche de cartes ou un mouvement par exemple. Pendant votre tour justement, vous aurez le droit d'effectuer un mouvement et de jouer une carte. Ce schéma très simple permet de fluidifier le jeu et encore une fois de garder tout le monde focalisé sur ce qui se passe. Les environnements de l'Atlas sont relativement petits et vos mouvements seront essentiellement tactiques, vous mettre à portée de tir ou hors d'atteinte d'un monstre qui vous en veut. Mais malgré l'aspect élémentaire de sa structure, les combats de Kinfire Chronicles sont particulièrement riches, et pas seulement grâce à son système de boost. Le plateau d'un adversaire est généralement divisé en 3 actions, parfois passives, qui seront déclenchées lors du tirage de certains jetons numérotés. Rapidement donc, vous vous prendrez à essayer de prédire la prochaine action ennemie en fonction des numéros déjà sortis, et ce jusqu'à ce que vous ayez tiré suffisamment de jetons spéciaux pour avoir à tout remettre dans le sac. Les ennemis ont également tous une cible prioritaire, déterminée selon un paramètre comme les points de vie. Cependant, certaines cartes vont vous permettre d'attirer l'attention de cet ennemi afin d'éviter que vos alliés les plus faibles ne tombent trop vite. Aussi rares qu'ils sont salvateurs, vos jetons destin pourront être dépensés pendant les phases les plus critiques pour piocher 4 jetons au lieu d'un, le but étant de modérer le hasard et d'avoir une forme de choix sur ce qui va se produire juste après. Enfin, l'attribution de cartes statut par certaines compétences, rappelant encore une fois l'influence de Kevin Wilson, vont ajouter une couche de stratégie à vos rencontres. Si vous les infligez à un ennemi, vous choisirez l'une de ses attaques et le statut prendra effet avant le prochain déclenchement de celle-ci. Si c'est vous qui subissez l'effet, il ira dans votre main et vous devrez rapidement choisir si vous perdez un tour pour vous en défausser ou si vous en subissez le malus. Ce dynamisme et la frénésie des combats sont définitivement ce qui fait la force de ce Kinfire Chronicles, dans un format étonnamment simple mais loin d'être sans enjeu. Les combats sont en effet rapidement assez rudes et les erreurs d'appréciation vont se payer cher.
Accumuler trop d'effets blessés pourrait vous tuer au début de votre prochain tour avant même que vous ayez eu le temps d'agir, alors que vouloir infliger de très gros dégâts d'un coup pourrait très fatalement attirer l'attention sur vous. S'ajoute à ces mécaniques efficaces l'originale gestion de votre main. Vous ne piochez pas de cartes au début de votre tour, par contre si à un moment de la partie vous vous retrouvez sans carte action, vous vous défausserez de toutes vos cartes restantes pour en piocher de nouvelles. Ce sera le moment idéal pour utiliser votre pouvoir ultime, votre lanterne, qui se recharge justement quand vous rafraîchissez votre main. Ce pouvoir, unique et puissant, comporte généralement un risque, comme le fait d'attirer l'attention de l'ennemi, ou des conséquences, comme le fait de blesser également vos alliés, mais dans la bonne configuration et suffisamment anticipée, il peut changer le cours d'une partie. Cette brillante mécanique de rafraîchissement, couplée à la lanterne, incite les joueurs à utiliser leurs boosts et leurs ultimes le plus régulièrement possible, pour ne pas les gâcher, mais permet également de se débarrasser de la plupart de ces cartes status sans pénalité. Je passe sur les cartes fatigue qui vous infligent des dégâts à certains moments de la partie, et sur les cartes armure qui vous protègent mais se dégradent au fil du temps, car il serait bien trop long de lister tous les ajouts pertinents et efficaces d'Incredible Dream au genre du boss rush narratif. Je passe aussi sur les cartes overlay, qui servent à remplacer une partie du décor ou du plateau adversaire pour en changer brutalement les paramètres, élément très vidéoludique dans le fait qu'ils permettent d'affronter des boss possédant plusieurs phases. Notez que la défaite fait partie intégrante du jeu et qu'en aucun cas il ne vous sera demandé de recommencer un scénario en cas d'échec. Vous hériterez d'une récompense moindre, voire d'un malus, mais vous continuerez l'histoire. Cette idée louable, qui permet de rendre le jeu plus inclusif que punitif, nuira par contre à sa durée de vie, moins longue, mais aussi moins artificielle que certains gros jeux amateurs de Die and Retry et de quêtes génériques. Une fois vos adversaires vaincus et vos récompenses récupérées, vous aurez accès à une phase de ville qui, comme souvent dans Kingfire Chronicles, nous rappelle le cursus vidéoludique de certains de ses créateurs. Chaque joueur aura la possibilité de parcourir diverses boutiques et de dépenser ses pièces durement gagnées afin de personnaliser son deck de cartes. De nombreuses autres possibilités seront également offertes au fil de l'histoire. Les marchands des lieux que vous visiterez vous donneront également l'occasion d'approfondir vos connaissances du monde qui vous entoure, mais aussi de débloquer de nouvelles quêtes, car c'est après cette courte phase de repos qu'il vous faudra vous remettre en chemin. Très vidéoludique donc, le titre vous permet de choisir parmi vos quêtes débloquées laquelle vous allez entamer ensuite, rendant l'expérience peu linéaire. Les parties, plutôt bien calibrées et tournant toujours autour d'une heure, peuvent être facilement interrompues grâce à un système de sauvegarde dans de jolies boîtes prévues à cet effet. Viendra alors le moment d'ouvrir une nouvelle enveloppe de quêtes, de tourner les pages de l'Atlas et de repartir à l'aventure. La curiosité des nouvelles règles, mécaniques et adversaires que cette enveloppe renferme fait qu'il est souvent difficile de s'arrêter de jouer. Pour être complètement honnête avec vous, j'ai du mal à voir comment Kingfire Chronicles pourrait ne pas finir dans mon top 3 des meilleures campagnes de l'année. Conçu à l'origine comme une œuvre inclusive, bienveillante et rythmée, le titre est certes enchanteur mais transpire surtout le professionnalisme et le talent de l'équipe qui se cache derrière. Les phases narratives, bien que courtes, sont écrites avec imagination et un humour que ne renierait pas Gérald de Rive. Les combats dynamiques donnent de vraies sensations cinématographiques par leur focus sur l'action, et les mécaniques dans leur ensemble sont conçues pour favoriser l'interaction, la communication et une cascade de cliffhanger. Est-ce que j'aime ce jeu parce que j'aime les jeux vidéo? Possible. Est-ce qu'il faut être un gamer pour apprécier Kingfire Chronicles? Absolument pas. Aussi vrai qu'il n'y a pas besoin d'être musicien pour apprécier un concert, nul besoin ici de déceler la passion et l'ingéniosité des auteurs pour profiter d'un jeu qui, pour le dire simplement, tourne comme une horloge. Les tours passent vite, personne ne s'ennuie, les icônes et les points de règles sont réduits à leur strict minimum, de sorte que quel que soit votre âge ou votre niveau, vous pourrez profiter aussi bien d'une histoire originale que d'un gameplay ciselé. Certes, la difficulté peut varier selon que vous ayez le malheur de ne tirer que des jetons ennemis au début ou la chance de jouer 5 tours d'affilée, mais n'oubliez pas que la chance tourne et que si 8 de vos jetons personnages sont déjà sortis, vous avez de grandes chances de devoir ensuite regarder l'ennemi vous découper en morceaux sans plus jamais avoir l'occasion de vous défendre. Bien sûr, on peut mentionner le vrai point noir de ces jeux qui vous apprennent les règles au fil des chapitres, à savoir que les premières parties sont nécessairement un peu élémentaires et pauvres en contenu, et que l'on ne sait jamais vraiment à partir de quel moment l'on profite du jeu à 100%. C'est d'autant plus important pour un jeu qui revendique une durée de vie de 20 heures, même si le nombre de personnages disponibles le rend facilement rejouable,
et que selon le succès de la campagne, des extensions ne sont pas à exclure. Reste bien sûr le problème de la langue, qu'il est impossible de minimiser. Le texte, le style du premier projet d'Incredible Dream sont pour beaucoup dans le plaisir que l'on a à le parcourir, comme c'est le cas pour Unsettled ou Sea of Legends. Le studio n'exclut pas de localiser son projet après la fin de la campagne, ce qui est un argument à prendre en compte si vous souhaitez faire découvrir le titre à un public peu anglophone ou plus jeune. Toujours est-il qu'en l'état, Kinfire Chronicles est mon coup de cœur de l'année, et que je ne peux que rendre hommage à Bassara, l'utilisateur de code qui m'a fait l'honneur de me mettre en relation avec l'éditeur, et sans qui je serais probablement passé à côté de cette merveille. Si le sujet des vidéos sponsorisées fait encore parfois débat, je suis particulièrement fier d'avoir obtenu un partenariat avec une équipe aussi intègre, bienveillante et passionnée que celle de Kinfire Chronicles. Je ne saurais que trop vous encourager à aller visiter leur page de campagne, campagne qui devrait avoir commencé au moment où vous regarderez cette vidéo. C'est la fin de cette review de Kinfire Chronicles que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve dans quelques jours pour un jeu qui nous emmènera cette fois dans l'espace. D'ici là, portez-vous bien, salut !